fois, l'Iran était à la table, l'Iran allié de Bachar el-Assad. Les All Blacks néo-zélandais à 80 minutes de conserver leur titre. Finale du mondial 2015 de rugby à 17h à Twickenham face à l'Australie. Les Sud-Africains sont 3e, ils ont battu l'Argentine hier soir, 24 à 13. 12e journée de Ligue 1 de football, victoire du leader, le PSG à Rennes, 1-0. France Info. La conférence des Nations Unies pour le climat, c'est dans moins d'un mois. Elle va débuter au Bourget, près de Paris, le 30 novembre. Les 195 pays aujourd'hui pour donner leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour, Célia Gauthier. Pousse-toi. Vous êtes porte-parole du réseau Action Climat, une fédération. On est coincé là. 450 associations. Mais non, tu n'as pas à avoir peur. Rappelez-nous l'enjeu de cette conférence. L'enjeu de la conférence de Paris sur le climat, c'est de marquer le fait qu'on va tourner la page des énergies fossiles. Alors les énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont majoritairement responsables du changement climatique. Et qu'à l'inverse, tous les pays vont diriger vers une énergie qui est 100% renouvelable d'ici le milieu du siècle. Ça, c'est le grand enjeu. Ça passe évidemment par plusieurs négociations complexes sur différents sujets. Comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on finance cette transition énergétique? Comment on s'adapte aux impacts déjà réels des changements climatiques? Mais en tout cas, voilà l'enjeu qui est face à nous. Le but étant de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. C'est la limite qui a été déterminée par l'ensemble des pays. Moins de par rapport à l'ère pré-industrielle, les pays avaient donc jusqu'à aujourd'hui pour donner leurs engagements. Parmi ceux qui l'ont fait, eh bien, il y a l'Inde, troisième pollueur au monde, à New Delhi, France Info et l'Embarras. Certes, l'Inde se place juste derrière la Chine et les États-Unis au niveau de la pollution, mais c'est aussi parce qu'elle a presque 1,5 milliard d'habitants. En fait, un Indien pollue 9 fois moins qu'un Américain moyen. Pour New Delhi, il n'est donc pas question de baisser les émissions de CO2 du pays à l'avenir. Sa priorité est de donner accès à l'énergie à tous. En revanche, l'Inde promet d'être plus efficace, de moins gaspiller l'énergie pour chaque bien produit dès 2020. Et pour Siddharth Patek du réseau Action Climat Indien, c'est déjà un début. Je pense que la contribution de l'Inde est déjà un pas en avant, mais je pense aussi que l'Inde, comme d'autres pays, doit faire beaucoup plus. Plus de transports publics, plus d'énergie renouvelable. Pour l'instant, c'est sur le papier, mais cette transition doit s'accélérer, surtout si les pays développés aident l'Inde à faire en sorte que cette transition arrive plus vite. L'Inde promet d'installer aussi beaucoup de renouvelables et du nucléaire, 40% d'ici 2030. Le pays a aussi lancé un programme de reforestation, notamment 140 000 km d'arbres plantés le long des autoroutes. Mais pour cela, l'Inde attend aussi de voir quels financements internationaux elle disposera.